29 juillet 1939, un décret-loi crée le bataillon de marins-pompiers de Marseille. 24 heures sur 24, le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de la ville de Marseille, le COSIM, dirige les interventions. Plus de 2000 fois par jour, les opérateurs répondent aux appels du 18 et du 112. Le regroupement informatique des moyens de communication permet le suivi des opérations de secours et la gestion de près de 700 engins, routiers, nautiques et aériens. Face aux situations particulières, les marins-pompiers des sections opérationnelles spécialisées mettent en œuvre du matériel et des techniques d'intervention spécifiques. La section intervention aquatique regroupe des sauveteurs côtiers et des plongeurs. Une section de lutte contre les pollutions a pour mission de confiner et traiter les produits polluants, les plans d'eau et les zones côtières. Le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux intervient, lui, dans les lieux d'accès difficiles. La section héliportée intervient sur des feux de forêt en zone inaccessible aux engins terrestres. Activée pour la recherche et le secours aux victimes ensevelies sous les décombres, la section sauvetage des bléments dispose d'équipes cynotechniques. La section risque technologique dispose d'une chaîne de décontamination. Les pharmaciens chimistes des armées assurent la mise en œuvre du laboratoire mobile d'analyse par spectrométrie de masse. La désincarcération ou le levage surtout sinistre ou accident demande parfois des moyens lourds. La section intervention technique est alors activée. L'école des marins-pompiers de la Marine nationale, répartie entre les écoles de la Parette et la Rose, enseigne la spécialité de marin-pompier et délivre brevets et certificats. Un centre d'instruction sécurité dispense des formations et permet des entraînements en recréant des conditions proches de la réalité. Le CIS forme également du personnel civil en provenance de l'industrie pétrochimique et de la marine marchande aux techniques d'évacuation et de survie en mer. Cette formation s'ouvre également à du personnel étranger. Le bataillon, c'est plus de 118 000 interventions par an. L'augmentation constante du nombre de ses missions et leur diversité impose une évolution permanente. Le bataillon de marins-pompiers de Marseille entame le 21e siècle avec une force de 2300 hommes et femmes. Sa capacité opérationnelle a apporté son concours dans le monde entier, lui vaut une renommée internationale.